Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour notre troisième séance ensemble, je vais vous proposer un petit exercice assez ludique, un petit exercice défi qui va vous permettre de travailler un peu votre cardio et certains groupes musculaires comme les ischio-jambiers et les fessiers encore. Allez, on y va. Je vais vous apprendre un petit mouvement simple que vous aurez à réaliser sur un laps de temps précis. Il y aura plusieurs paliers. Plus l'exercice va avancer, plus la durée des paliers va être courte. Donc au départ, le petit mouvement que je vais vous apprendre, vous allez le réaliser doucement. Plus ça va aller pendant l'exercice, plus il va falloir le réaliser rapidement. Palier 2. Je vous montre le petit mouvement à faire. 1, 2, 3, 4. 4 fois. Montée de genoux, je reste bien droite et je bouge les bras. Puis, je saute avec les deux bras en l'air. Je me mets à genoux, puis sur les fesses. Et là, 1, 2, 3, 4. Je me remets à genoux. Je me mets sur les pieds. Et je me relève. Alors aujourd'hui, c'est une séance défi. Donc l'objectif pour chacun d'entre vous, ça va être d'aller jusqu'au palier le plus haut possible. Cependant, ce que je conseille quand même, pour les petites formes, je vous conseille d'aller jusqu'au palier 4, jusqu'à la fin du palier 4. Pour les moyennes formes, je vous conseille d'aller jusqu'à la fin du palier 6. Et pour les grandes formes, je vous demande d'essayer d'aller jusqu'au bout de l'exercice, donc jusqu'au palier 8. Cet exercice sera à faire pour chacun d'entre vous 3 fois. Que vous soyez arrêté au palier 4 ou au palier 6, ou que vous soyez allé jusqu'à la fin de l'exercice. Une fois que vous vous arrêtez à votre palier, vous arrêtez, vous avez entre 3 et 4 minutes de récupération, puis vous recommencez l'exercice. Et ce, 3 fois, quel que soit le palier atteint à chaque fois. Bon courage! Je vais faire tout l'exercice avec vous pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, mais vous pouvez complètement faire ce petit défi juste avec le sonore, sans forcément me regarder faire et sans forcément avoir le support vidéo. Rien que le support sonore, ça fonctionne. Vous pouvez aussi faire ça avec vos enfants sans aucun problème. Ils commencent avec vous l'exercice sur le palier 1, le palier 2. Au palier 3, ils risquent d'arrêter, c'est pas grave, vous continuez. Au moins, vous faites ça ensemble sur le début de l'exercice et c'est sympa. Palier 1.
Palier 2. Palier 3. Palier 4. Palier 5. Palier 6. Palier 7. Palier 8.